Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des ministres, Monsieur le Président des organes et institutions spécialisées de notre Union, Mesdames et Messieurs, il m'est agréable de vous souhaiter la bienvenue à Dakar, en terre sénégalaise, à l'occasion de cette dernière session ordinaire de notre Conseil des ministres au titre de l'année 2019. C'est toujours avec un plaisir renouvelé que nous nous retrouvons au pays de la Teranga. Je voudrais, au nom de tous les membres du Conseil, adresser mes vifs remerciements à Son Excellence le Président Macky Sall et à tout le peuple sénégalais pour l'attention particulière accordée aux différentes délégations. Chers collègues, Mesdames et Messieurs, la présente session se tient au lendemain de plusieurs événements majeurs entrant dans le cadre de l'approfondissement du processus d'intégration régionale, notamment la conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union sur le financement de la sécurité. La seconde édition de la semaine de l'inclusion financière qui a eu pour terme la digitalisation au service de l'inclusion financière, enjeu pour le secteur financier et les États membres de l'UEMOA. Les décisions et recommandations formulées éclaireront certainement nos actions au cours des prochains mois. Je renouvelle ici mes chaleureuses félicitations au président de la Commission, au gouverneur de la Banque centrale et à tous les collaborateurs des organes ayant participé à l'organisation et à la réussite de ces manifestations. Mesdames et Messieurs, en entendant les présentations qui vont suivre, je voudrais saluer les résultats économiques encourageants enregistrés dans les pays de l'Union au cours du troisième trimestre 2019. En effet, suivant la tendance des trimestres précédents, le taux de croissance de l'Union s'est élevé à 6,6% à fin septembre 2019, en progression de 0,1% par rapport au troisième trimestre 2018. De même, les efforts de consolidation budgétaire dans nos États se sont traduits par une réduction du déficit budgétaire global de l'Union à 2,7% du PIB, contre 3,3% au cours de la même période l'année précédente. C'est le lieu de féliciter nos États pour la qualité des politiques menées. Je voudrais donc nous encourager à maintenir le cap des réformes audacieuses afin de relever les défis de renforcement de la base de nos économies et de l'amélioration du bien-être de nos populations. Chers collègues, Mesdames et Messieurs, le projet d'ordre du jour soumis à notre appréciation est relativement chargé. Au titre de la BCAO, nous examinerons notamment le rapport de la situation économique et monétaire dans l'Union au 30 septembre 2019. Comme de coutume, ce document servira de base à nos discussions sur l'analyse des perspectives économiques et financières de l'Union en vue de décider des mesures appropriées pour conforter de manière durable la croissance dans la zone. Pour la BOAD, nous aurons à nous prononcer sur les perspectives financières actualisées sur la période 2019-2023. Au titre de la commission de l'UEMOA, nous nous prononcerons notamment sur le projet de règlement portant organisation, fonctionnement et règles de gestion du fonds de sécurité, fonds régional de sécurité, ainsi que le projet de collectif budgétaire de l'Union au titre de l'année 2019. Enfin, pour le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, le projet de budget 2020 nous sera soumis pour approbation. Chers collègues, je sais pouvoir compter sur votre clairvoyance habituelle pour un examen approfondi de ces différentes questions. Je voudrais, à quelques jours de l'année 2020, terminer mes propos en vous souhaitant par anticipation à toutes et à tous mes voeux les meilleurs pour la nouvelle année. Aux hommes et femmes de médias qui nous accompagnent et assurent la visibilité de nos chantiers, j'adresse nos sincères remerciements. Je leur formule également nos voeux de bonheur, de santé et de prospérité. Sur ces mots, je déclare ouverte cette session ordinaire du Conseil des ministres statutaires de l'Union. Je vous remercie.